Une disparition certaine après sa création à Kanyamakassi, le service national reprend du poil de la bête. Grâce à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des jeunes désœuvrés, marginalisés, créant des troubles au sein de la population, sont récupérés et envoyés à Kanyamakassi dans les Olomami pour leur encadrement et leur instruction dans un centre baptisé Félix Antoine Tshisekedi. Ces jeunes sont aujourd'hui des bâtisseurs du service national. Ils viennent de transformer Kanyamakassi en un véritable grenier agricole de la République démocratique du Congo, avec des vastes étendues de champs de maïs, 5000 hectares au total. L'on pratique aussi sur place l'élevage. Des milliers de têtes de vaches sont enregistrées. Il ne s'agit là que de la première phase du programme agro-pastoral du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'implante dans les différentes provinces du pays, programme qu'exécutent avec détermination les bâtisseurs du service national. Artisan de ces vastes projets visant la sécurité alimentaire de la population congolaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé lundi 18 novembre à Kassi pour une visite de travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kassi, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kasongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Katanga, en l'occurrence le gouverneur Mbanza Moulomé. Le chef de l'État a été ensuite salué par les vice-premiers ministres et ministres du gouvernement central ayant fait le déplacement de Kassi. Le cortège présidentiel s'est aussitôt après dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans ce centre que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage des métiers. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national s'est installé dans la tribune d'honneur. Dans son adresse aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et de l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, les a rassurés le commandant suprême de forces armées de la RDC, de la police et du service national. Bâtisseurs de la nation, Banamoka, Bazali na esengo mingi ya kokutana na bino lelo. Ndenge bozali wana bayebisi ngai na général Kasongo. Je vous dis pourquoi ça fait à peu près 4 mois pour la vie formation à Dino. La ligne à la Dino Boy. Mini Kati Nadino, Bakonaki Zela Yabokoumi. Kasi. Biso la kambia mboka na bolingo oyo tozali na yango pona bana mboka nyonso bazala ya makambo malamu to makambo mabe na bolingo wana tolobi tokopesa congolaise na congolais nyonso chance ya ndenge moko. Nzela ya bobungi na bolingo tozali na yango oyo esengeli mpe tozala na yango biso baso bana ya mboka Congo, bolingo mpona mboka na biso mpe bolingo mpona ndeko na biso congolais
Dans son mot de bienvenue, le général Kasongo Kabuit a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux marginalisés sont aujourd'hui des patriotes, des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi appesanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyamakassé grâce aux gros engins mis à la disposition du service. C'est avec votre avènement à la tête de notre pays que les lignes ont sensiblement bougé au service national. Vous avez d'abord dit, en substance, que le sol devait prendre la revanche sur le sous-sol. L'histoire de KCC justifie la justesse de votre expression. Ce n'est pas par hasard que le service national a choisi ce site pour mettre votre vision en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la production nulle trouvée en 2018, nous sommes passés de 250 hectares enlevés aujourd'hui à 5000 hectares. Et des 1000 tonnes de maïs grain récoltées en 2019, nous sommes passés à 16 000 tonnes récoltées en 2024, avec une projection de 25 000 tonnes l'an prochain, donc en 6 mois. À cela, il faudra ajouter la production du centre de production de l'eau dans les territoires de Sombololo, en province du Congo central, sans oublier les centres de production des Katoabichi-Bachi et des Gonko dans les Kassai centrales, ainsi que le centre de production des Kando dont nous avons reçu les instructions récemment à Lubumbashi dans les Wolaba. Tout ceci grâce à votre ferme volonté. Nous vous en remercions sincèrement. Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant Suprême, nous n'allons pas épiloguer sur la production agricole, car Kanyamakassé ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas seulement à l'agriculture. Plusieurs activités sont organisées au sein de ce centre, qui est bien structuré selon les missions assignées. Nous trouvons au centre de l'Opérandise de Kabila, le centre d'encadrement d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi, CFA d'Ancy, et d'autres activités. C'est dans ces centres que sont formés et encadrés les jeunes filles et garçons appelés bâtisseurs de la nation. Peu avant de quitter KCC, le président de la République a visité quelques réalisations
des bâtisseurs du service national, notamment l'hôpital moderne en construction et l'école où les enfants ont communié avec le président de la République. Le président de la République s'est aussi fait présenter les vaches issues de l'élevage des bâtisseurs à Kanyama, KCC.